Yo les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un mastering avec des plugins uniquement gratuits. Voilà, c'est une question que j'ai reçue énormément. Qu'est-ce que tu mets sur tes masterings? Comment on peut faire un mastering, etc. Donc, je vais te faire en trois volets. Une avec les plugins gratuits que tu pourras utiliser sur n'importe quel logiciel. Une avec les plugins que moi j'utilise, donc forcément des plugins payants. Et je te montrerai ensuite une vidéo comment utiliser chacun de ces plugins pour pouvoir faire tes propres masterings. Donc il y aura trois vidéos. Aujourd'hui, c'est la première avec les plugins uniquement gratuits pour faire tes masterings. Donc si tu te demandes dans quel ordre les mettre, comment les mettre, quel plugin mettre sur tes masterings, la vidéo, elle est faite pour toi. Je te conseille de la regarder. Aujourd'hui, juste, je te présente la chaîne de mastering. Si tu es sur Ableton, tu pourras la télécharger, la remettre dans ton logiciel. Voilà, j'ai créé un rack spécial mastering pour toi et je vais te présenter tous les plugins que j'utilise et t'expliquer un petit peu à quoi ils te serviront dans ton mastering. Voilà, si tu veux savoir quoi mettre sur tes masterings et surtout comment faire un mastering avec des plugins uniquement gratuits, la vidéo, let's go!